Imaginez-vous que parmi toutes ces pin-up américaines, il y a une pin-up française. Comment tu t'appelles? Juliette. Ok. Et tu viens d'où? De Seine-et-Marne dans le 77, à côté de Disneyland, pas très loin. Et tu viens ici, il y a longtemps que tu as envie de venir ici? Oui, ça fait au moins depuis que je suis née que j'ai envie de venir ici. Mais c'est la seule année où je peux me permettre d'y aller. Donc je me suis dit cette année, il faut que j'y aille pour voir Jerry Lee Lewis, les Stray Cats et les voitures. Ah, les voitures, ça t'intéresse? C'est rare pour une fille. J'adore les voitures, c'est ma passion en France. En France, j'ai mon père qui collectionne beaucoup de Cadillacs, de Chevrolet et tout ça. Et en venant ici, on voit tellement de voitures que c'est ouf en fait. Il y a plusieurs voitures hors du commun. C'est par rapport à la France, c'est terrible, terrible. C'est de la passion de la famille. Et en dehors des voitures, il y a d'autres choses qui t'intéressent? Bah, j'aime les pin-up. Les pin-up ici, elles sont vraiment cool. On peut les aborder, on peut leur parler. Ça change. La mentalité est différente par rapport à la France. Et après, bah, j'aime Jerry Lee Lewis, les Stray Cats. C'est comme ça que je suis venue aussi pour les voir en concert. Voilà. C'est quoi une pin-up pour toi aujourd'hui en 2018? En 2018. Est-ce que c'est la même femme que la pin-up classique des années 50? Alors c'est à peu près la même, sauf que niveau vêtements, par rapport aux années 50, il y a beaucoup de choix. Par exemple, dans les robes, on a beaucoup de fleurs. On peut faire tout ce qu'on veut dans les motifs et tout ça. Dans les années 50, c'était plus simple. Et bah voilà, niveau robe, tout ça, on peut s'habiller comme on veut. C'est l'élégance de la pin-up. Et mentalement, est-ce qu'il y a une différence? C'est différent, c'est différent. Là, on s'amuse. C'est pas du tout pareil. Les années 50, c'était les années 50, quoi. Là, on est en 2018. C'est des pin-up modernes, mais qui reprennent les années 50. On peut tout faire maintenant en 2018. C'est super.